Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur, évidemment, sur notre cher Cities Skylines. Bon, on voit un petit peu ce que ça donne. On a tout ce qui est au niveau du quartier, enfin ville plutôt développée, enfin ville, village. Enfin, on est plutôt sur une ville ici, là où il y a la rue Sainte-Catherine, la zone industrielle, là où il y a écrit hauteur de Bruyères. Et ici, on va commencer à construire notre mégalopole. Enfin, notre mégapole, notre métropole, enfin, comme vous le sentez en tout cas. Mais en tout cas, ça va être ça, notre construction pour le moment. Tout se passe pour le moment assez bien. On a la construction énormément de logements. Il va nous falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerces. Et ça va être très, très important. Donc, au niveau des commerces, on va devoir les développer beaucoup. On va beaucoup développer les commerces. Et ça va être aussi notre objectif. Alors, je vais juste profiter pour mettre mon téléphone en recharge, mettre mon casque, et c'est parti pour l'aventure. Juste une seconde, il faut que je fasse un petit truc ici, voilà, sur mon écran. Bim, c'est bon. Allez, hop, on est parti. Bon, Franciland. Franciland, surtout que la dernière fois, surtout ce qu'on a fait, c'est plutôt intéressant. C'est qu'on a massivement investi aussi dans tout ce qui est au niveau de l'hôpital, de la santé, enfin des casernes de pompiers, de la police. Ici, on a mis deux écoles élémentaires, on a mis un collège et je crois qu'on a mis aussi une université. Donc franchement, en termes d'infrastructure, il y a de quoi, il y a de quoi et on est vraiment pas mal. Il y a même aussi une caserne de pompe, enfin une caserne de police. Il y a toutes les infrastructures sont là, sont propres, sont faites pour. Du coup, on est vraiment tranquille là-dessus. Alors juste ici, c'est une route, c'est pas une route à sens unique. Donc ici, par exemple, on pourrait en profiter pour mettre pas mal de bureaux. Ici, ça pourrait être une zone de bureaux. Voilà, comme ça, on aura pas mal de bureaux. Parce que la demande en bureaux, je peux comprendre qu'elles sont importantes. Du coup, on peut investir dans la création de plus de bureaux. Et en plus, c'est plutôt pas mal parce qu'on sort de l'autoroute. Donc directement, on peut avoir des bureaux là-dessus. Ici, on va pouvoir mettre un petit peu de résidence classique. Et en plus, il n'y a même pas assez d'eau. Donc on va juste créer. Ah, c'est pas très efficient. Ah. Ça ici, ils ont de l'eau. L'électricité, ça y va. Et au pire, ici, on pourrait le connecter directement à là. Hein. Quitte à faire ça. Quitte à faire ça, faisons ça. Hein. C'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il nous demande? Ici, c'est comme ça. Ok, c'est ce genre de route. Alors, j'ai vu qu'il y a des problèmes d'eau. S'il n'y a pas d'eau. Oula. Alors là, on va falloir un petit peu d'eau par là. Voilà. Comme ça, ici, vous avez de l'eau. On va juste préparer. Alors, je vais juste la mettre en mode. Plutôt comme ça. Ensuite, Besson. Et non pas Luc Besson. Lololol, c'est très drôle ma blague. Rigoler, j'espère. Ça sent le mec qui est préparé. Bon, en tout cas, ici, on pourra relier directement. Ici, on va continuer à mettre plus de bureaux. Ah, en plus, en sortie. Quoi? Ah, oh, mais quel idiot! Oui. Je pouvais plus là. Merde, comment j'ai fait avant? Voilà, désolé, j'ai tout cassé. Reconstruisez. Refaites, refaites. Hop, hop. Et l'eau, normalement, c'est bon jusque là-bas, c'est pas encore bon. Tac. Là, on est bon. Ici, on va encore développer. Hein.
Oula. Et ici, par exemple, on pourrait remettre encore un rond-point. Oh putain, les ronds-points, je kiffe ça. Hein. Ah, je suis amoureux des ronds-points, moi. Ah, c'est bon, les ronds-points, c'est toute ma vie. Hein. J'en foutre juste une ici. Voilà, hop, on va casser les intersections. Alors, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit... il y a quelqu'un qui m'avait dit pour les routes. Alors, j'ai pas regardé encore. Améliorer route. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, appuie sur le machin... Et fais un truc pour enlever les... Pour pouvoir enlever du coup les... Bah, j'arrive même plus à parler. C'est dingue. Pour pouvoir ensuite enlever les feux rouges. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Alors je me rappelle plus comment... Je l'avais lu, le commentaire, mais je sais plus comment faire. Donc... Alors ça c'est débile par contre ce que je viens de faire. C'est complètement stupide. Je viens de voir ma gaffe. Voilà, on va mettre un classique. Un classique. Ensuite, ici, on va casser pour le connecter à là. Ici, je voudrais bien avoir... Ah, pas assez de pognon. Ah merde. Bon, bah, on a pas assez de pognon. Tant pis. Mais ici, du coup, on a tout l'eau, là. Ici, c'est bon. Hein. Voilà. Après, en termes de commerce, pour le moment, je vois pas trop où est-ce qu'on pourrait mettre des commerces. On pourrait la prolonger par ici, mais enfin... On voit pas trop le bénéfice. En construire plus là-bas. Donc ici, c'est surtout de la demande. Peut-être qu'on a de la demande de bureau. Exigence commerciale moyenne. Faible. Si je dis pas de bêtises, en plus, on a fait une énorme construction. Ah mais non, ici, on peut pas parce que c'est... c'est les poubelles. C'est les usines d'incinés qui sont pas terminées. Ici, le bâtiment se vide. Ici, c'est terminé. Retourne à ta capacité classique. J'ai un peu peur que comme ceux-là, ils sont très loin, que ça perturbe un petit peu le... Qu'on ait une perturbation par rapport à ça. Parce que ouais, vous voyez, en termes de poubelles, c'est compliqué, quoi. Parce qu'en vrai, le centre de poubelle, il est très loin. Hein. Donc plus on s'éloigne, plus c'est compliqué, quoi. Oh, par contre, j'avais pas vu, mais là, on commence à avoir des gros immeubles, par contre. Ça, j'avais pas vu, ça. Ah oui, là, on est à fond en termes d'immeubles. Très instruit. Putain. Oh, il y a 25 ménages. Oh, la demande de fou en résidence. On a combien d'habitants? 21 000 habitants. Est-ce qu'on peut pas acheter encore? Ah si, on peut acheter. J'aime bien parce qu'ici, il y a du pétrole à droite. Vers le nord, il y a quoi ici? On a un peu de pétrole. Ouais, je voudrais trop bien acheter ça et l'agrandir par là, puis faire un peu plus de carré. Troisième prêt, on aura encore un fois deux. Centrale nucléaire, ça c'est trop bien. Pour éviter d'avoir trop de pollution non plus. Hop. L'eau. Ah merde, ici vous avez pas d'eau. Oh mais pauvre bichou, j'avais pas vu. Bon, déjà j'ai agrandi un petit peu ici, je suis désolé. Hop. J'avais pas vu que vous avez pas d'eau, vous. J'arrive. Ah merde. Ça va pas marcher si je fais pas comme ça. Si je fais pas proprement les choses. Hop, voilà, vous avez l'eau. Juste l'agrandir un peu. Voilà. On est good. Vous avez de l'eau. Pif. Et en termes de bureau, maintenant, bah, ça se construit bien. Hein. C'est très bien. Très instruit. Deux employés surqualifiés. Bon, c'est mieux que rien.
Oui, j'avoue, en termes d'éducation, ça donne quoi? Très instruit, 25%. Bien instruit, 17%. Instruit, 27%. Et sans instruction, 31%. Bon, on a toujours autant de sans instruit que très instruit, mais bon, c'est déjà quand même pas mal. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le collège. Mais si on a beaucoup de pas instruits, en fait, c'est pour ça. Ah si, on a des instruits classiques. Bon, il y a une fac, hein, si jamais... Mais c'est ici, en fait, où il y a le plus de population, le plus instruit. Ouais, c'est ici, quoi. C'est ici où ils sont le max, hein, masse instruit. Bon, en tout cas, quasi tout le monde est instruit, hein. C'est plutôt bien. Ah ouais, ça construit de fou, hein. On le voit, les bâtiments qui sont en train de se construire. Voilà, ça crée, ça commence à faire des gros immeubles, quoi. Ah, c'est dingue. Amélioration en cours, bam. Il y aura un peu plus de personnes qui vont pouvoir habiter. Ici, la demande, on a une forte demande. 4 employés surqualifiés. 0 employés surqualifiés. Il y a quelques emplois disponibles encore dans l'industrie. Après, ils vont s'agrandir, hein, ces petites industries-là. Hein, parce que franchement, en termes d'industrie, il faudrait qu'ils se développent un petit peu plus. Après, c'est des vieux, ça. Si je prends celle-là, mes industriels, ils prennent du temps à s'agrandir. J'ai l'impression. 5 employés surqualifiés, 6... Mais attendez, mais il y a un chômage de masse ou quoi, là? Quel est le taux de chômage? 13%! Ah bah oui, on a un gros problème, on n'a pas assez d'emplois. Ah ici, je peux pas le développer. Ça c'est dommage par contre. Il faudra que je refasse aussi le... Aussi que je refasse un petit peu de bus. Oh, qu'est-ce que c'est moche, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir quand c'est moche. Pourquoi c'est toujours en quadrilatère? C'est un petit peu chiant ça. Attendez, on va faire comme ça. Voilà, hop. Ça va être beaucoup plus simple que de faire en quadrilatère à chaque fois. L'eau, oui, j'ai vu. On va pousser un petit peu l'eau. Parce qu'on a atteint un petit peu des limites. En termes d'eau. Oh merde, j'ai... Bon, tant pis. Non, 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 ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Faut que ça soit bien droit. Voilà, parfait. Et vous aussi, vous montez un petit peu. Ok, en termes d'eau, on est bon. Ici, il va falloir préparer le fait que ça puisse rejoindre la zone industrielle. Et ici, j'ai pas fini d'ailleurs. J'ai pas fini ici. Attendez, quoi? Ici, il y a une liaison? Ah oui, j'avais pas vu. Du coup, on va plutôt la foutre là, hein. Hop! Ici, on va mettre quelques commerces. Et ensuite, ici, bon, on va faire quadrilatère, on va faire plus simple, tac. Bon, je sais que ça se dit pas quadrilatère, mais bon, hein. Voilà, paf, paf, paf. L'eau. L'eau, c'est good. Et ici, je voudrais bien avoir une petite rue, genre une mini-rue, mais un petit peu boisée. Et qui aille que dans un... Ah non, on va pas faire que dans un sens, parce que sinon ça a aucun sens. Hop. Voilà. Bon, attendez, on va faire le machin. Hop. Toi, 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 on remplit. Et même, on pourrait pas potentiellement casser cette...
cette maison pour retrouver voilà un petit endroit ici, ça peut être sympa. Ah, et le crématorium, tiens, on pourra en créer un. Bah écoutez, si s'il n'y a personne qui l'utilise, moi je l'utilise, hein. Centre médical infantile à côté. Un centre gériatrique. Donc un EHPAD. Bam. EHPAD, centre gériatrique et un crématorium pas trop loin. C'est un peu dégueulasse, c'est un peu bizarre, parce que bon, habiter à côté d'un truc comme ça donne pas trop envie. Ce que je peux comprendre. Mais bon, voilà. On se prépare. On se prépare à toute éventualité. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. En termes d'eau, par contre, commence un peu à être chaud. L'électricité, ça commence à être un peu chaud. On est encore très large, mais en termes d'eau, ça me fait un peu peur. Non, ça va. En fait, on est encore large. Par contre, traitement des déchets, c'est un petit peu insupportable. À chaque fois, ça marche. J'en ai pas assez. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, parce que j'ai éteint. Ouais, c'est bon. Tu peux reprendre ton activité. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pas cette. Qu'est-ce qu'il y a? Fonctionne normalement, fonctionne normalement. Pas assez d'employés instruits. Ah, ça va, t'as des mecs plus instruits que ce que t'en demandes. T'as juste un mec pas assez instruit, c'est une blague. Ah, le mec, quoi. Oh, la zone Indus. Ici, c'est incroyable. Les déchets s'accumulent. Ouais, bah écoutez, on va en mettre un troisième. Hein. Si le déchet s'accumule, bam. Hein. Je crois qu'on va supprimer les. Parce que là, on a beaucoup d'usines d'incinération. Donc. Je sais pas si on supprime ou pas. Ah putain, et en plus, si, c'est bon, il s'est barré le mec. Il en avait marre. Il y avait un mec pas qualifié, un mec qui était pas trop qualifié, bam, c'est bon, c'est fini. Il n'en pouvait plus. Ça n'a aucun sens. Niveau résidentiel. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Niveau de résidentiel, on n'est pas tous à 5. Au niveau commercial, ils sont tous, quasi tous à 3. Même les 3 quarts sont à plus de sont au niveau max. Les niveaux de bureau, alors les bureaux, c'est que level 1 pour le moment. Après, on a que ici, hein, on a que cette zone hein, en bureau. Et ici, avec quand même pas mal de commerces après. Ici, je crois qu'on a même créé des commerces. Ouais, c'est bon. Niveau industriel, ils sont très souvent en level 1. Pas beaucoup de level 3, pas beaucoup de level 2. Ah, ça, c'est un level 3. Ouh, mais ça recrute de fou. Deux emplois disponibles. Ah ouais. Attendez, mais le taux de chômage, il est à combien là? 13%. Oh. Mais putain, mais il y a plein d'emplois disponibles, c'est pas possible. Quoi, la forte demande. C'est bon, il n'y a plus de demande en industrie? Ah ouais, ils ont déjà tout pris, quoi. Par contre, c'est très chiant d'avoir des lignes droites, on va juste casser certaines. Paf. Ouais, parce que ça commence à être un petit peu insupportable d'avoir que des lignes droites. C'est pas très glamour. Et de toute façon, c'est pas très. Ça perd un peu de sens. Ça perd un peu de son sens. Oula, par contre, ici, ça bouchonne de fou. Hein. Après, il y en a masse qui prennent l'autoroute. Enfin, ça bouchonne. Pas vraiment, en vrai. Non, ça va. En vrai, ça passe. Ouais, il y a un petit peu de bouchon, mais sinon ça passe. Dites-moi, mais il est où mon truc de bus là? Parce que je sais que j'ai un truc de bus pas loin. Ah, il est là. Oh putain. Et en termes de bus, qu'est-ce que ça donne? Aperçu des lignes, 229 passagers, 255. Ok.
Et encore, les lignes de bus, c'est juste ici, quoi. On n'a pas fait plus loin, on n'a pas fait d'autres lignes de bus, on n'a pas agrandi. Genre la bleue, par exemple, elle est très petite. La bleue, on pourrait l'agrandir par ici, par exemple. Ah, la rouge, elle part par ici, elle passe par là. Ah, c'est si plus simple que ça? D'accord. Je pensais pas que ça serait si simple de le faire comme ça. Je trouve ça quand même très beau. En plus, il y a un moyen de passer par en dessous. Ça, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal de le passer par en dessous. Faire un petit tunnel ici. Après, on puisse sortir par là. S'il y en a qui veulent passer par là en plus. En vrai, non, moi je suis plutôt fier. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur Cities Skylines. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous!